Des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Triste nouvelle pour le football congolais, l'ancien gardien de but des Léopards de la République démocratique du Congo et de l'AS Vita Club, Albert Tubilandu Dimbi, est décédé ce jeudi 17 juin 2021 à la clinique Ngaliema à Kinshasa, de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, l'ISPE. Alain Makengo, il est mort après une longue période de maladie. Après une grève des infirmiers, c'était difficile pour qu'il soit soigné, a-t-il déploré. Albert Tubilandu, surnommé le Grand Niaou, autrement dit Grand Chat, avait fait une longue carrière comme gardien de but de l'association sportive Vita Club vers les années 60, 70 et même 80. Il a pris par ailleurs part à la Coupe du Monde en 74 avec les Léopards du Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, après avoir remporté la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de la République démocratique du Congo en 1974. Il faut également rappeler qu'une année avant, avec l'ASV Club, il avait remporté également la Coupe des la Ligue des Champions actuelle. Hein, à l'époque, la Coupe des clubs champions avec l'AS Vita Club est l'unique titre d'ailleurs des Banambongo, des Moscovites. Albert Tubilandu est décédé à l'âge de 73 ans. Il est né un certain 15 mars 1948. Et bien évidemment, au moment de sa mort, il s'était reconverti en entraîneur des gardiens. Il a entraîné ainsi dans des clubs tels que l'AS V Club, le Racing Club de Kinshasa et même JSK. Alors, bien entendu, suite à ce décès, votre chaîne YouTube va rendre hommage hein, à ce grand joueur de notre équipe nationale, Albert Tubilandu, qui a remporté, je l'ai dit, le titre de champion d'Afrique avec les Léopards en 1974. Nous allons honorer sa mémoire et nous allons décréter une semaine pour cela, pour lui rendre hommage avec des anecdotes. Nous reviendrons très souvent avec des anecdotes, ce qui va certainement vous permettre de vous rappeler de ce grand joueur. C'est vrai que pour la génération actuelle, ce sera un tout petit peu compliqué, un peu difficile. Alors parmi les anecdotes ceux de la génération actuelle pourraient se retrouver, c'est l'artiste musicien Le Karmapa, vous le connaissez n'est-ce pas, hein? Il est surnommé aussi Bitu ou Jenny parce qu'il était gardien de but, et oui, Le Karmapa était gardien de but, un peu comme le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était aussi gardien de but. Alors on lui avait donné le nom, le surnom de Bitu au lieu de dire Tubi, comme Tubilandu. Donc c'était en fait un surnom qu'il a eu de ce grand gardien qui a fait les beaux jours de l'ASV Club. Il a remporté le titre de champion d'Afrique avec Vita Club ainsi qu'avec les Léopards. Il était aussi de cette qualification de Léopards à la Coupe du Monde 74, rappelez-vous, avec cette défaite 9-0 contre la Yougoslavie notamment. Alors Albert Tubilandu était de très petite taille, environ 1m65, et de nos jours, il est quasi impossible de voir dans les buts un gardien aussi petit. Mais malgré cela, il était titulaire dans l'ASV Club, champion d'Afrique en 73. Il était doublure du gardien Kazadi, du tout-puissant Mazembe en équipe nationale. C'est ainsi qu'il va se retrouver à la Coupe du Monde en 1974 avec les Léopards. Donc, il avait pleinement la confiance du coach yougoslave Vidinic, à l'époque, bien évidemment, qui d'ailleurs le fit monter en jeu lors de la débâcle historique face à la Yougoslavie, 9-0. Alors, le gardien Albert Tubilandu va entrer en jeu, c'est au moment où le Zaïre de l'époque était mené déjà par 3-0. Alors, Tubilandu a pris la place de Kazadi et à l'occasion d'un coup franc, il va encaisser directement sur une action entachée d'un triple hors-jeu que seul l'arbitre
l'arbitre refusa de voir. Bien sûr, la RDC était déjà malmenée. Il faut dire que l'arbitrage n'était pas aussi à notre avantage. Il faut rappeler aussi que la République démocratique du Congo, alors Zaïre, était la première nation de l'Afrique subsaharienne à avoir participé à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, lorsque Toubilan doit encaisser son premier but, mais le quatrième but encaissé par la République démocratique du Congo au cours de ce match, le défenseur du Zaïre, à l'époque, Mwepu, tellement furieux qu'il a donné un coup de pied aux fesses de l'arbitre colombien. Mais malheureusement, cet arbitre n'avait pas su identifier l'auteur de ce mauvais geste. Il donna ainsi une carte rouge au hasard, et c'est Ndaye qui en fut la victime. Malheureusement, notre meilleur joueur. Donc voilà, ça c'est aussi parmi nos anecdotes que nous vous avons promis. Il y a également aussi ce fait qui s'était passé lors de ce match de la Coupe du Monde contre la Yougoslavie. Alors si ma mémoire ne me trahit pas, Toubilandou joua son dernier match avec les Léopards du Zaïre en 1985 à Brazzaville contre le Congo Brazza. Rappelez-vous de ce match historique avec Santos Mutubile, avec Eugène Kabongo, la victoire 2-5 de la République démocratique du Congo. Alors Zaïre, c'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 86, et au match retour, c'était Ebengo alias Djuma qui était dans les perches des Léopards, et puis ensuite ce fut le trio Elengesa, Merikani et Boulaïma qui se relayaient dans les buts de la République démocratique du Congo, alors Zaïre. Alors dans l'SV Club, par moment Albert Toubilandou était en concurrence avec Mbuya, le gardien chevelu de presque la même taille que lui. Il quitta ensuite l'SV Club pour jouer au sein du FC Kalamu en concurrence avec un certain Kakol Nselomo. Donc Toubilandou a quand même un palmarès étoffé, je l'ai dit, avec cette Coupe d'Afrique remportée avec l'SV Club en 73. Si je ne me trompe pas, il était même titulaire, Toubilandou, je pense, au cours de la finale. Et il y a aussi cette Coupe d'Afrique des Nations qu'il va remporter une année après avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et cette Coupe d'Afrique des Nations permettra aussi aux Zaïre de l'époque de se qualifier pour la Coupe du Monde de 74. Et Toubilandou était parti, faisait partie en tout cas de cet effectif sélectionné par l'entraîneur yougoslave Vidinic. Alors il faut dire qu'il n'était pas titulaire, parce que bien évidemment à l'époque, le gardien qui était très en vue, c'était celui du tout puissant Mazembe Kazadi, qui était titulaire en équipe nationale. Mais cela n'a pas empêché Toubilandou de pouvoir lui succéder, surtout au cours du match contre la Yougoslavie où nous étions déjà menés par 3-0, et lui malheureusement encaissera 6 buts et ça fera 9-0. Des souvenirs mémorables qu'on ne pourra oublier, biologique, mais aussi à sa famille sportive, sa famille footballistique. Nous présentons nos condoléances à tous les Véclubiens, à tous les anciens du FC Kalamu, et bref, à tous les sportifs de la République démocratique du Congo, amoureux des Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet hommage à Albert Toubilandou. Albert Toubilandou qui aura en tout cas fait son temps beaucoup plus du côté de l'ASV Club, mais également en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, au moment de sa mort, il était devenu entraîneur. Il a entraîné d'abord l'AS Vita Club, entraîneur des gardiens bien évidemment. En 2018, il prend le même poste d'entraîneur des gardiens, mais du côté du Racing Club de Kinshasa. Et toujours en 2018, il va aller du côté de la JSK. Donc voilà, nous souhaitons vraiment que son âme puisse se reposer en paix, Albert Toubilandou Dimbi. Et bien sûr, toutes nos condoléances une fois de plus à sa famille. Merci à vous qui nous avez suivis. Iban a sacar mucha ventaja del débil juego de sus oponentes. Ni el cambio de portero pudo evitar la avalancha. Tras la retirada del guardameta titular, llegó el tercer gol.
poco a poco, uno tras otro, fueron llegando los goles. Yugoslavia ganó el partido por 9-0. Este resultado igualó el récord de Motenga Kumaranga, Alberto Bilandu, ancien joueur y avec club, mais entraîneur préparateur et gardien. Bande ko balandi bol na mike, lelo penza ngai na ndoka komona ba papa bazo benga Tubilandu, Tubile, mais effectivement tala lelo. Nakuta ina ancêtre Tubilandu, mais papa Tubilandu. Eza esengo po na ngai ko kutana na yo boye to vandi. Comme si Vita bazana pan ya ba gardien. Match à Renaissance. Merci. Toi, la parole à gardien. Le football, c'est un peu gardien. Football, football, c'est un peu gardien. Si je connais un peu gardien. Si vous avez un coach, vous pouvez supporter la conférence. Vous pouvez continuer à entraîner le gardien. Tous en le moto, tous en le conque, tous en l'andou, et puis tous en l'autre gardien, malgré comment il est l'Afrique, mais dans la 5 gardien. Si vous avez un niveau, vous avez un masolo et Vita, Bana Vita, Bazo et Latro. Par contre, c'est l'équipe où il y a une minute, où il y a une popularité, c'est l'équipe où il y a une population Makassi, la Renaissance. Mais comme si na façon vite azota mola po ba congolais ba comme na bango kaka bongo bongo na façon vite azota mola comme si pe boko perdre moi ba supporter rebelle ah to perdre la supporter na ni supporter la moni ya ling équipe na ye ayo kumse équipe na ye o ya moni ka ling équipe na ye faut na ye parce que vite nani imanana Renaissance kabona ki po suite ba échec ya ba ko polandé ya ngosa ki ba kabona biso na avec club to kabona te supporter la moni ki a super na ite ning équipe zo beta a ko fonda na ye. Mais jamais vu le club de Kabwana. Tu vois Kabwana. Tu continues à travailler. Quand il est à démissionner. C'est ton lobby qui est le comportement de Poussakaye. Il faut pousser pour la ligne. Il y a un boulot, il y a un entraîneur, il y a un risque. Jamais il y a un lobby qui est déposé. Jamais. Jamais. Si vous comprenez le comportement du modèle, il y a des supports. Parce que nous avons des bambara masuba. Et là, toujours les Congolais ont quand même un comportement bien sûr qui est dans le stade. Parce que ceux qui sont payés, ils ont un comportement qui est beaucoup plus bien. Ils ont des supporters qui ont des comportements. Parce que c'est un sport. Nous avons des supporters qui ont des comportements. Nous avons des supporters qui ont des comportements. La sécurité pendant le stade est des athées. Ils ont des côtés joueurs, ils ont des côtés sous-entraîneurs, ils ont même côté dirigeants. Donc, sécurité pour nous, comme tu les athées. Et puis, les supporters, ils ont des supporters avec le club. Les supporters, ils ont des match. Ils sont équipés polis et polis. Les supporters, ils ont des supporters avec le club. Sécurité avec le club. Ils ont vraiment des efforts pour les prochains matchs. C'est quoi l'ilobasu quand ils ont le banaba supporter ça. Les banaba supporter avec club, bas à la conférence d'absolu entraîneur, bango bas ça musala bango yoku musala, yoku soutenir l'équipe y a pas joueur, biso peut-être musala muto sala musala biso yoku entraîner l'équipe. Donc on a cinq ans à bango, après ça biso confiance, bah t'es là biso n'engue, trouver ta match à dimanche puis n'engue trouver ta match à Tunisie. Papa coach pour na masolano. Il va nous sacrer mucha ventaja en deux minutes de ce talento. Ni el cambio de portero pudo evitar la avalancha. Tras la retirada del guardameta titular, llegó el tercer gol.
poco a poco, uno tras otro, fueron llegando los goles. Yugoslavia ganó el partido por 9-0. Este resultado igualó el récord de... Congo TV!